C'est vrai que j'ai un peu d'expérience. Ça va être ma quatrième Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Dans ce domaine, je commence à acquérir un peu d'expérience. Donc non, mon discours aux plus jeunes, notamment à ceux qui n'ont pas joué de CAN ou qui ont peu joué en Afrique, c'est que voilà, comme je leur ai dit, c'est une compétition qui est très difficile physiquement et mentalement. Donc il faut tout de suite se mettre dans le bain que ça va être difficile et qu'on va souffrir pendant cette Coupe d'Afrique, parce que voilà, c'est différent du football qu'on peut connaître, que ce soit en Europe ou à la Coupe du Monde, voilà, parce qu'il y a divers facteurs qui rentrent en compte. Donc c'est important pour moi vis-à-vis d'eux qu'ils prennent conscience rapidement de tous ces aspects-là et de se mettre de se préparer déjà mentalement pour la compétition. C'est pour ça que c'est des choses qu'on a évoquées avant le précédent match en Tanzanie, parce que c'était important aussi pour eux de voir à quoi ils allaient être confrontés. Et voilà, l'Afrique c'est ça, c'est beaucoup d'abnégation sur le terrain, beaucoup de duels. Il faut se battre contre l'adversaire, contre les conditions climatiques. Donc, il faut être prêt mentalement. Il faut être à 100% parce que voilà, même à 90%, ça va pas suffire. Donc, mais je pense que on a la chance d'avoir des jeunes de qualité qui sont très très à l'écoute, qui veulent apprendre et qui apprennent vite. Donc, sur ce point-là, je me fais pas de soucis. Ils seront au niveau.